Bonjour à tous, ici As The Peak, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et on se retrouve aujourd'hui pour, alors premier épisode d'une série que j'ai appelée l'Indé du Coin. L'Indé du Coin, qu'est-ce que c'est en gros? Je vais vous présenter dans une série de vidéos à un rythme absolument irrégulier des petits jeux indépendants qui collent pas forcément avec une série, mais des jeux indés qui sont fort sympathiques et du coup qui colleraient plutôt justement à une vidéo de présentation par exemple, où je vous fais peut-être découvrir des jeux indés. Alors aujourd'hui on commence avec Anarchute. Anarchute, c'est un jeu français développé en France par la team Anarchute, je crois qu'il s'appelle. Et c'est un jeu... C'est difficile d'expliquer le principe du jeu, c'est difficile d'expliquer le style du jeu, mais c'est difficile dans beaucoup de jeux indés. En gros, l'histoire est très simple. Nous sommes des petits animaux tout cute, tout mignons. Ici, par exemple, on voit des crocos à l'écran. Et on doit renverser le gouvernement en place en manifestant. Et en gros, en fait, plus on va avoir de manifestants, plus on va être puissant. En gros, en fait, c'est une simulation de vie française. Pardon. Excusez-moi, bref. Lançons-nous sur Anarchute, il est disponible sur Steam pour 15€. Et c'est parti. Alors, j'ai quoi, une demi-heure de jeu à peu près déjà dessus. Donc j'ai pas encore tout débloqué, vous voyez que j'ai fait quelques missions. Alors le jeu se joue très bien à la manette. J'ai pas essayé au clavier, mais il est conseillé de le jouer à la manette. Donc bah, écoutez, on est parti. Et je vais essayer de vous faire découvrir ce jeu aussi bien que possible. Donc on voit, alors on est à Tokyo. On a quelque chose qui ressemble à une tour Eiffel, mais on est à Tokyo. Et du coup nous avons des objectifs. Donc détruire la statue, capturer les drapeaux et détruire la Tokyo Tower. Donc nous contrôlons ce petit groupe de manifestants crocodiles. Et ce petit groupe de manifestants, ce sont des vandales. Vous voyez, donc ils pètent tout quand on passe dessus. Et ils peuvent ramasser des trucs. Comme là vous voyez que j'ai ramassé des stands, j'ai ramassé des distributeurs et des pancartes. Et en gros je peux balancer ces trucs. Une fois que j'ai balancé, je peux en ramasser d'autres. Je peux les balancer. Et on va devoir aller non seulement libérer nos copains manifestants, mais aussi faire les missions. Alors vous voyez que là je vais commencer à balancer sur la gueule des flics et tabasser du flic. Donc c'est très bien. Alors là on a de la mine, donc suffit de balancer un truc par dessus, voilà, et les mines elles pètent. Et wow, il y en a beaucoup là. Donc une fois que j'ai plus de trucs à balancer, on tape avec le poing. Et vous voyez aussi que j'ai augmenté ma rage, donc elle est dispo en bas. Et en fait quand j'ai ma rage qui est suffisamment haute, j'ai un pouvoir. Alors soit j'ai une super roulade, soit j'ai je sais plus. Allez, c'est parti sur lui. C'est un gros machin. Voilà, il faut que je roule. Voilà, parce que quand il pète ça fait des bulles. Non, quand il pète ça met du dégât. Et du coup on peut se retrouver avec des manifestants au moins. Il y a encore un manifestant là. Allez, viens. Voilà, j'ai balancé sur la gueule. Fais attention à la mine. Il est mort. Oh, j'ai l'impression qu'il est mort. On presse le bouton et... Ok, bah voilà, on a plein de nouveaux manifestants qui sont prisonniers ici. Et du coup, YOLO! Défonce la gueule de tout. On roule, on se casse. Merde! Oh, j'ai perdu des manifestants. Non, ah mais oui, je pressais le mauvais bouton. C'est bon, on les a eu. Je pressais le mauvais bouton, on a perdu 4 manifestants, mais c'est un scandale, c'est un drame. Tant pis, nous sommes légion. Alors, vous voyez que là, on transporte des voitures. Les voitures sont plus puissantes que les simples débris. Et le fait de balancer les voitures, ça met plus de dégâts. Et du coup, c'est un autre bouton. Donc là, je vais balancer ça pour faire péter la mine. On va aller récupérer encore quelques stands. Et on a encore des manifestants en attente ici. Rejoignez la révolution! Oui! Ok, on va finir de faire le tour. Alors, je suis pas pressé. Il y a une mission. Il y a un objectif qui est de finir la mission le plus rapidement possible. Mais je vais balancer le bagnole. Voilà, tout pété. Voilà, on chope les drapeaux. Et vous voyez que là, il y a également plein de manifestants qui sont en prison. Donc on va tout péter. Salut les mecs, rejoignez-moi. Donc c'est quoi ça? C'est des petits chats. Oh, c'est des petits chats. Petits chats. J'ai également une barre à gauche, comme vous pouvez le voir, du nombre de manifestants que j'ai. Donc actuellement j'en ai 25. Et plus j'en ai, plus je vais avoir un pouvoir puissant. Alors je me souviens plus de la touche que c'est pour l'activer ce truc. On verra ça après. Alors attention, on va faire attention au laser. Il y a une mine derrière, J'ai perdu personne, c'est bon, j'ai perdu personne. Est-ce qu'on a encore des manifestants qui traînent? Oui, là-bas il y en a. Et bonjour monsieur. C'est la révolution. Bonjour les manifestants. Rejoignez-moi. Voilà, destruction. Alors oui, voilà, à partir de maintenant, depuis maintenant, si je me... Voilà, c'est Y. On peut défoncer de l'immeuble et du coup péter des trucs qu'il y a derrière. Comme là on a buté les gens qui avaient derrière. Merde, putain, le rayon laser, j'avais pas vu. On capture le drapeau, on chope les nouveaux manifestants. Est-ce que j'en ai perdu? J'en ai pas perdu sur le rayon laser. J'ai eu de la chance. Donc là je peux tout péter, alors ça sert à rien hein. Mais on peut tout péter quand même. Allez, roulade. Voilà, par là. Et on continue. Alors j'ai encore des voitures. Ici, bon, ok, c'est... Putain, mais quel couillon. C'est bon.
J'en ai de nouveau pas perdu. J'ai pas l'impression que ça fasse tant de dégâts que ça. Alors, c'est la statue à détruire. Des vilains oppresseurs capitalistes. Hop, alors par contre, je sens que va y avoir des trucs qui vont arriver. Faut que je balance quoi? Ah, des bagnoles. On tire des bagnoles. Oula, 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 alerte. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais faire péter les mines. Bonjour, monsieur. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Voilà, alors ça, c'est le super dash. Mais je sais plus ce que c'est que l'autre. Ah, mais attendez, il y en a encore un au milieu. Pff, j'avais même pas vu qu'il y en avait encore un au milieu. Ça va, on a perdu qu'un manifestant pour le moment. Oup. Petite roulade. Allez, on pète la gueule. Ah non, non, attention à la roulade. Attention à la roulade. En tout cas, ça se contrôle super bien. C'est vraiment super intuitif comme jeu. Ça me fait un peu penser à Pikmin à l'époque sur 64. C'était énorme ce jeu Pikmin. Ce jeu Pikmin était excellent. Et ça me fait un peu penser à ça parce qu'on contrôle une troupette de gens. Et plus on en a, plus on en veut. Et c'est génial. C'est vrai. Hop, 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 hop. Attends, il y en a un qui me poursuit. Alors, ça c'était le super dash. Hop. On s'éloigne des explosions. Ah, mais en fait, là j'ai l'impression que c'est un boss quand même. On a quand même une vague de boss. Vas-y, on pète la gueule. Oh putain. Oh, heureusement qu'on avait plein de manifestants, mais il y a plein de morts. Ils sont morts pour la bonne cause. Mourez. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a ça? Non, il y a tout qui pète. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. C'est bon. On vient pas de là, donc on va continuer par là-bas. Allons-y. Il nous reste quoi? 31 manifestants. On a un petit bouton là. Ah, mais non, c'est cette tour-là que je dois péter. Wow! Il y a une bombe. What the fuck? Ah! Aha! Lance, c'est la bombe! Non, pas les stands. Non, pas les pancartes non plus. La bombe, merci. Barrez-vous! Oh yeah! Bon, on va se la prendre sur la gueule là par. Ah non, non, c'est bon. Alors, donc, du coup, Tokyo Tower libéré. Excellent. Alors, C en temps total. Taille de la foule B parce qu'on a eu pas mal de morts sur la fin et ennemis éjectés. A, 37, donc excellent, vous voyez qu'il y a un noting, il y a un ranking qui permet de rejouer les niveaux. Allez, on continue. Et du coup, le jeu est vraiment cool. Alors ça c'est nouveau. Du coup, maintenant, je peux débloquer des trucs avec des pièces. Donc après chaque niveau, on débloque des pièces et on peut débloquer des trucs. Donc, double roulade, ricochet d'objets, les projectiles peuvent rebondir sur d'autres ennemis, émeute lourde, plus grande onde de choc, et émeute rapide, les manifestants marchent plus vite. Alors je pense qu'on va prendre le ricochet d'objets. Ouais. Ah, c'était le prix à droite, c'était pas combien j'avais de pièces. Ok, j'avais 4 pièces, et celle-ci coûte 3 pièces, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Émeute romaine, une courte pression sur B donne une invisibilité. Hé, le développeur, si vous me regardez, il y a une faute. C'est soit invisibilité, soit invincibilité. Il manque un N ou c'est un C, un S à passe du C. Bref, c'est un anneau de flamme. Action héros, les explosions sont plus grosses. Et rechargement d'armes, les armes rechargent automatiquement quand elles n'ont plus de munitions. Les armes? On n'a pas vu ça encore. Bon allez, du coup on se tire. On a passé de thunes. On a des nouvelles custos. Donc vous avez vu que j'ai débloqué des trucs. Et du coup, on a débloqué les petits chats. Les petits chats, ils sont trop mignons. Les petits poissons. Magikarp. Les petits ratons laveurs. Les petits lapinous. Le petit poulpe. Et ça, on a encore des qui sont bloqués. Petit éléphant. Petit éléphant, on va le mettre dans la foule. Le petit truc. Le petit lapinou. Allez, je mets tout le monde. On met tout le monde dans la foule. Parce qu'on est pour la diversité ici. Ok, donc c'est parti. Obey for your own safety. Donc, obéissez pour votre propre sécurité. C'est parti, deuxième mission. Zubozu. Oh là, oh, c'est un boss. Et nous ne sommes que trois. Ah non, ah, j'ai eu peur. Ok, c'est parti. Alors, ricochet d'objet. Donc on va prendre le plus de manifestants déjà. Je vois qu'il y en a plein qui traînent un peu partout. Allez, on... Ouais, il y a des mines aussi. Non, c'est quoi? Ah non, c'est le boss qui lance ça. Et on va péter la caisse. C'est bon, ils sont avec moi, c'est bon. On continue de récupérer la foule. La foule est en liesse. Oui. Je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on a récupéré tout le monde. Et on va sortir. Allez, YOLO. Ok, ça fait rien du tout. Attention, il y a des bombes. Je tape quoi, moi? Qu'est-ce qu'il faut que je tape? Ah, faut peut-être que je récupère cette bombe. Ouais, c'est ça, ok. Excellent. C'est pas du simple tu tapes, tu cours, tu tapes, tu cours. Il faut jouer intelligemment. Ah non, il y a un truc. Ah merde, il y a un panneau. Attendez. Oh, les vrais boss de l'époque à plusieurs phases. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, attendez. Ok, donc ça va être... Ça, c'est les cibles. Ça, c'est les cibles. Ok. Ah, voilà. Et paf. Ah, derrière, dans son cul. Tapez-lui le cul.
pétez-lui le cul, c'est bon. Il y a encore un truc? Non, c'est bon. Cours pour ta vie! Libérez les migrants! Hop, 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 attention! Attention à mon propos aussi! Je vais me faire striker sur YouTube pour énoncer mes opinions politiques. C'est interdit sur YouTube maintenant. Wow! Wow! Est-ce qu'on a des missiles? Non! C'est bon. Là-bas, il y a des missiles. Allez! Vite, chopez-le! Oui, tapez-lui le cul! Bon, ok, il prend cher. Il prend méga cher. Excellent, alors c'est le premier boss que je fais, hein. J'avais pas encore eu de boss. Vous avez vu que j'étais au premier niveau de tout le jeu. Enfin, au premier niveau, première map. Hop, 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 bonjour monsieur. Contrôle d'identité. Ah mais... c'est pas ce que je voulais faire, non! Vite! Hop! Tapez-lui le cul! Et c'est la mort. Bon, il était facile, très honnêtement. C'était facile, mais c'est original! Et c'est pas du simple bourrinage à la con, c'est... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, le boss est très original. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est original. Bon, pendant que ça charge, café. Temps total A, taille de la foule S, ennemi éjecté S. Bah c'est excellent. On a juste pas S en temps, mais c'est parce qu'il fallait apprendre à jouer. Et comme vous pouvez l'entendre, en plus, les musiques sont vraiment sympas. Hein. Les musiques sont vraiment sympas. Et on gagne une pièce, donc on va passer au distributeur. On va aller voir ce que ça donne. Ok, ouais. Il y a une plus grosse tour. On est à Paris. On est à Paris! C'est pourquoi un morse? Oh le cliché! Oh le cliché! D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo de Tomska avec Antoine Daniel, elle est géniale. C'est le Alien. La vidéo s'appelle le Alien. Si j'y pense, je la mettrai dans la description. Si jamais, rappelez-le moi dans les commentaires. Mais elle est géniale cette vidéo de Tomska avec Antoine Daniel. C'est excellent. Alors, on a des nouveaux. Qu'est-ce qu'on a débloqué? C'est qui nouveau? Un petit fox, un petit renard. C'est mignon. Allez, passons au distributeur. Alors, on a trois pièces. Qu'est-ce qu'on a de beau? Émeute romaine, une courte pression donne une invisibilité. Mais c'est quoi du coup, invisibilité ou invincibilité? J'en sais rien. Laisse un anneau de flamme. Onde de choc enflammée. Ça me tente pas mal. On va prendre ça. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Excellent. Et du coup, on a débloqué cela. Soulever les bâtiments. Soulever les bâtiments. Mais c'est énorme. J'ai pas vu combien ça coûtait. Mais c'est pas grave, on part à Paris. Paris. Allez, c'est parti. Et du coup, nous sommes. Des orfèvres, non, je sais pas, j'en sais rien. Bistrot, café. Bon, alors, ça après, les développeurs ils avaient un modèle facile, hein, vu qu'ils sont français donc ils connaissent, mais oh, c'est génial avec la petite terrasse et les petites tables. Allez, on leur pète la gueule, on défonce tout le monde. Voilà, on va prendre Y. Alors, spammez le Y pour péter les tours radio. Ok, faut débrancher les antennes, d'accord. Détruisez toutes les antennes. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais ça coule pas forcément de source sur les jeux, même les jeux français. Mais le jeu est entièrement en français. Voilà, et ça, c'est suffisamment rare pour le noter. Parce que c'est plus facile de développer le jeu en anglais, parce que, évidemment... c'est quoi cette bombe, là? Ça me plaît, mais c'est quoi? Alors, attendez. C'était pas le bon bouton. Ah, what? Ok, c'est une grue. C'est une grue. What? Ah, d'accord, c'est un boulet de démolition, c'est pas une bombe. Donc ouais, beaucoup de jeux, ce qui est normal, sont développés en anglais, même les jeux français sont développés en anglais. Pour des raisons simples, il y a plus de public en anglais. Ah merde, j'ai pas la foule pour virer les bâtiments, vous voyez qu'il y a un sniper là sur le toit. Et du coup, c'est pas tout le temps que les développeurs prennent le temps d'internationaliser leur jeu, de localiser leur jeu, et ça c'est vachement cool. Et c'est suffisamment rare justement pour le noter. Ok, ils sont tous morts, j'ai pas perdu le manifestant, attendez, on va juste prendre... Oh, popette! Oh, ça c'est beau, ça! Bonjour, messieurs! Au revoir, messieurs! Oh, est-ce que j'ai perdu les manifestants qui sont perdus dans l'eau? Quoique... Ah, mais merde, il est au milieu, j'ai pas vu! Ils étaient au milieu, ils sont pas morts, en fait. J'ai perdu tellement de monde! J'ai plus que 12 manifestants. Mon dieu. Je crois que la révolution touche à sa fin. Mourez! Oh, merde, c'était un boss, j'avais pas tité. Et j'ai plus rien à lancer. C'est bon, il est mort. J'ai perdu un manifestant, super. Allez, on défonce la deuxième antenne. On en a 5 à péter. Est-ce qu'on peut avoir des partisans rejoindre notre cause? Vas-y, explose.
explose. Voilà. Il y a une voiture, il y a une voiture, on va prendre la voiture. On a ramassé des trucs. Est-ce qu'on peut prendre l'arbre? Ah non, on peut le casser, mais on peut pas le prendre. Dommage. Pain de délicieux. Pain de délicieux. Les mecs, vous auriez au moins pu écrire du français correct sur les murs. Détruisez toutes les antennes. Ok, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ah, mais j'ai pas tilté, mais il y a une map en fait. Allez, hop, hop, hop. Roule. Oui, je laisse. C'est bon. Est-ce que j'ai la foule pour péter ça? Je pense pas. Hein. Ah, si, c'est bon, c'est avec une voiture. Il y a un bus de la police ici. Fais tout péter. Merci. Alors là, il y a rien du tout. On prend encore quelques trucs. Un Moloch! Ah, je sais pas comment ça s'appelle, les grosses poubelles en français enterrées en France. En Suisse, ça s'appelle un Moloch. C'est ce qu'il a ramassé là. C'est un truc à bouteille, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on peut le péter ce truc. Ah, il faut y aller à la voiture, c'est dommage. Ah, quoique, non, même pas. Comment je fais, madame? Hey, madame! Ah, il faut le faire le tour. Wop! Attention, le laser. Oh, mais quelle bande de couillons! Ils se sont tout pris. Faut faire le tour par. Mais non, là, il y a un centaine. Comment je suis censé passer, moi, là? Peut-être pas assez de manifestants. J'ai peut-être fail la mission, c'est possible, hein. Je sais pas du tout comment on foire une mission. C'est peut-être comme ça. Oh, mais. Aïe, on a perdu un manifestant. Oh, merde. Comment je suis censé faire? J'ai plus de voiture. S'il y a encore des voitures qui traînent. Oui! Ah, mais il y a encore du monde là! Bonjour messieurs! Allez, on pète la gueule à tout le monde! Hop! C'était pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ça marche aussi. Ah, bah ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà, il y a un bouton qui va balancer un signal. Ah, ça ouvre ici. Ok. On lui a défoncé ça. Mais on est déjà passé là en plus! Je comprends pas. Et j'ai oublié une tour ou elle reste indiquée sur la map? Ah, j'ai oublié une tour en fait. Ouais. C'est bien ça, j'ai oublié une tour. Voilà. On va prendre le truc à journaux. On peut prendre le, non, on peut pas prendre le truc à journaux. À journaux. Bah, on va voir pour avancer. Alors là, par contre, j'aurais pas une très très bonne note sur le. Ya yeah. Merde. Oh putain, j'ai encore perdu un. Yeah. Prenez le Moloch. Merci. Mais ça s'est pas ouvert! Ça s'est pas ouvert. Comment je fais, madame? Je pense que j'ai échoué. Attendez, je vais prendre la voiture. Prendre la voiture et on va voir si une deuxième voiture suffit. Ouais, bon. Alors, par contre, faut apprendre à danser, les mecs. Hein. Alors, j'ai pas précisé, mais le lancer d'objets sur les ennemis se fait la visée automatique. Hein. La visée automatique, donc c'est absolument pas problématique pour viser. Vous voyez que là, ça vise directement l'ennemi. Et du coup, ça reste un petit jeu. Un petit jeu casu, mais qui est très sympa à jouer, vraiment. Merde, mauvais bouton. On a baisé le bouton. Oh, attention, la mine. Une mine. Non, mais. Merci. Oh oui! Des partisans à la cause. Rejoignez-moi. Prenez un arbre et tapez dessus. Faites la mine. Balance des vélos. Des manifestants, oui. Ricochet d'objets. Alors maintenant, ok, il me faut au moins 20 manifestants, si j'ai bien compris, pour avoir les rebonds d'objets. Bonjour messieurs. On pète les mines, on pète les une mine. Et on défonce tout le monde. Ah oui, effectivement, les objets rebondissent, alors pas tous. Mais ils rebondissent sur les ennemis adjacents. Et c'est fini. On a galéré, mais on a fini. Alors voilà, C, C et S. Ouais, taille de la foule, on a perdu masse de monde. Et temps, on a perdu masse de temps aussi. Bon bah voilà, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cette première vidéo sur l'Indé du coin vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer des jeux si jamais vous en avez. Moi j'ai déjà quelques petites idées. C'était Anarchute pour 15€ sur Steam, un jeu français, n'hésitez pas à y aller, il est très rigolo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important. Et à la prochaine, c'était Azeu. Ciao ciao.